Bon, ça y est, on est bien arrivé au Brésil. Par contre, vu que j'étais complètement débordé, j'ai eu le temps de rien organiser. Voilà, on arrive comme des touristos et en fait, on vient de découvrir que on est dans un aéroport à 1h30 du centre-ville de Sao Paulo. Donc voilà, là on va prendre un bus, on sait pas trop où on va. Bon, évidemment le problème quand tu visites un pays continent en 3 semaines, tu prends beaucoup l'avion, enfin, t'es un peu obligé de prendre l'avion. Et là, ça fait même pas un jour qu'on est arrivé, on reprend déjà l'avion pour aller à Iguazu. Je suis un peu gêné par tous ces touristes là, c'est relou. Franchement, tu m'as mis bien là, le bus privé. Il y a des moyens chez Tolt. La vache. Tolt production, ça rigole pas. On vient d'arriver au premier point de vue, on est assez loin, mais franchement... C'est juste incroyable. Vraiment là, on sent la puissance de la nature. Bon les amis, ça y est, on est au cœur des chutes là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit. Et là, du coup, je vais pouvoir tester la RX-02 en milieu humide. J'ai rangé tout le matos dans le sac. Oh la vache! Oh. Là-bas, c'est la douche. Allez, on en prend plein la gueule! Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on va se laisser tenter par ces petits bijoux de style. On est toujours à Iguazu, mais cette fois du côté argentin. Malheureusement, là, le temps est horrible. Ils annoncent des gros orages toute la journée. On s'est dit qu'on allait quand même le tenter. Mais là, comme vous pouvez le voir, il commence à pleuvoir. On entend les orages au loin. Je sens que ça va être une journée très humide. Très, 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 très humide. Mais bon, on sera immergé dans la puissance de la nature, hein, c'est ça qu'il faut se dire. On a le RX qui est étanche parce que sinon je sais pas à quoi on pourrait filmer. J'ai rarement eu des conditions aussi compliquées. Lancelot en profite énormément. Là, là ça fait du bien. N'empêche que c'est magnifique. Hein.
fait, on a beaucoup de chance parce que le soleil est de retour, il a arrêté de pleuvoir juste au moment où on arrive devant les cascades. Et je peux vous dire que c'est incroyable. À la Pinacothèque de Sao Paulo, c'est l'un des musées d'art les plus célèbres du pays et je comprends pourquoi, parce qu'il y a des œuvres qui valent vraiment le coup d'œil. Sao Paulo et Rio, parce qu'il y a pas mal de routes justement entre Sao Paulo et Rio, il y a à peu près 10 heures de route, donc il fallait absolument qu'on fasse une pause pour la nuit et on pensait se reposer, mais en fait il y a une énorme place. Je sais pas trop ce qui célèbre, mais en tout cas c'est incroyable et je vous montre ça tout de suite. Thank you.
Bon les amis, on est arrivé hier soir à Rio de Janeiro. Non, on s'est levé à 5h pour aller filmer le lever du soleil. Ça s'appelle comment l'endroit où on va? Meta... Bon, ça marche. Bon, le problème c'est que là on est quand même, on attaque l'hiver au Brésil, puisque c'est l'hémisphère sud évidemment. Et pour l'instant le temps n'est pas très clément, là il flotte, donc j'espère que ça va, qu'il va s'arrêter de pleuvoir. On a, bah on n'est pas là pour longtemps, on est là que pour un jour plein, on repart déjà demain matin. Mais on a bien hâte de découvrir cette ville voilà, qui est si célèbre. Salvador, hier soir, on a pris un bus de nuit là de 6h pour aller dans la Chapada Diamantina, qui est une sorte de réserve naturelle où il y a pas mal de trucs très cool à voir. Et là, on va aller visiter une grotte. Je vous montre ça tout de suite. Que j'ai jamais vu. Par contre j'avoue que j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu d'eau, mais je crois que c'est pour la prochaine. Et maintenant on est aux fermes de Pratinha. Là on est dans une grotte avec de l'eau. On va faire un petit coup de plongée, enfin pas de la plongée, on va dire de la plongée de surface. We'll be right back.
Bon les Globetrotters, on est arrivé hier à Recife et là en fait on est dans une ville juste à côté qui s'appelle Olinda, qui est vraiment juste à côté, à 10-15 minutes en voiture, et qui est super mignonne avec des petites maisons colorées. Aujourd'hui à Jericho Aquara, en fait c'est un ancien village de pêcheurs qui est maintenant devenu un, on va dire une station balnéaire, mais pas trop parce que ça reste un village un peu à la cool et tout, et qui est surtout connu pour le kitesurf. Donc malheureusement il n'y avait pas assez de vent, puis on arrivait un peu tard, j'ai pas pu en faire. Par contre on a assisté à un coucher de soleil les gars, je crois que vous êtes pas prêts, je vous montre ça tout de suite. Don't you wait until
on a un petit souci de moteur, la direction ne fonctionne plus. Le volant ne répond plus. Dirige directement depuis le moteur. Bravo! De bateau, ensuite on a repris un 4x4 pendant une bonne heure je dirais, ensuite on a repris un bateau, ensuite on a repris une petite voiture, bon là c'était court, c'était vraiment 2 minutes. On est finalement arrivé à Atins, qui est un petit village de pêcheurs, juste à côté de Lensois Malanienses. Là on est un peu cassé donc on se réconforte avec une petite bière et voilà, on va manger un coup et puis on espère qu'on pourra profiter quand même du coucher de soleil. Du matin, première matinée à Atins. On a décidé de se lever tôt pour regarder le lever de soleil. It was always on fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless it seemed. Found holes in these walls. We like what we saw. Seems so strong until it falls. The final straw. On s'est reparti pour un coup de 4x4 là. Et a priori, on va sûrement vivre l'un des meilleurs moments du voyage puisqu'on va à Lensois Malanienses. C'est des lagunes dans des dunes de sable. Je sens que ça va être incroyable. I didn't have the words to
c'est notre dernier jour au Brésil. On est de retour à São Paulo pour pouvoir prendre notre vol retour à Paris. Il nous reste quelques heures dans la ville. Et du coup, on est allé visiter Beco do Batman, qui est un quartier avec plein de street art, des galeries d'artistes et tout ça. C'est vraiment très très cool. Et voilà, je crois que ça va être un peu le dernier truc qu'on va découvrir au Brésil. J'espère que ce vlog vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Instagram et tout ça, machin. Vous nous faites kiffer, vous likez, vous commentez, enfin bref. Et puis, on vous laisse sur les images de Beco do Batman. Allez, ciao!